Salut chers internautes, c'est Chupsec qui est avec nous. Et donc, c'est Jean Kerbiteus, moi c'est informaticien aussi, infographiste de carrière. Et moi avec nous dans le tutoriel ça pour nous capable montrer nous donc comment nous capable insérer une image en dans une forme. Et c'est ça nous va le faire, on passer avec le tutoriel là. Mais toutefois, bien avant de commencer, si ou pour vous abonner avec la chaîne là, donc fait ça actuellement. On consulte déjà fait ça, donc cliquez sur le bouton like là, une façon pour capable encourager nous. On a passé avec le tutoriel là, nous parlons de cette forme noire que nous voulons, ok, ici. On peut aller ici, ok, dans l'outil forme noire, fait clic droit pour être capable de jouer une forme noire. On veut tracer un rond, ok, on veut tracer un rond. Pour me capable mettre image moyen. Pour me tracer rond, m'a cliquer sur shift et ensuite m'a draguer. D'accord? Moi cliquer sur shift pour me capable tracer un cercle pour le pas ovale. D'accord? Moi capable agrandir si me veut. Donc m'a fait contrôle T pour me capable agrandir plus ou moins pour nous capable voir bien ça que me va le faire. Donc couleur là pas important pour moi là parce que me va insérer une image en dedans, pas grand monde qui peut couleur. Au contraire, m'a besoin contour et m'a montrer comment que on capable mettre contour là. Maintenant, c'est le moment pour capable chercher image moi ou photo. Non, voilà avec ça on va le mettre en tant que image ou encore ici en dedans ça on capable mettre. M'a fait contrôle O pour m'a chercher image moi. Image pas maintenant c'est sur desktop lié et puis c'est sur tuto doc. Si on en folder tuto doc, on tape nous en plutôt pour capable précis. Voilà, je prends image moyen et ça c'est image moyen. Mettez en dedans, ok. Donc, les vini dans l'autre fenêtre parce que c'est contrôle home défait. Maintenant, après c'est V sur le clavier et map déplacer avec image ça pour m'aller dans l'espace de travail que moi t'ai gagné déjà et c'est là. Maintenant ici moi déjà gagné image moi vous voyez donc image moi plus gros même que forme moi. Donc pour me capable arranger ça, ça m'a fait contrôle T, m'a diminué ça un peu, hein, un peu. Et puis m'a arrangé ça, m'a fait enter. Maintenant on va insérer image ça en dedans et forme que me gagne. Déjà, il y en a pas que pour nous connaître faut qu'on capable ouais. Et normalement faut qu'on capable ouais image ouan d'accord là image ouan au-dessus de layer en forme donc une fois que ça fait moi capable faire clic droit ok sur lui et puis moi cliquer sur create clipping mask ok donc c'est que moi le masquer toute reste partie photo en dans forme là donc c'est exactement ça si simple moi juste cliquer sur lui et puis c'est fait vous voyez comment c'est facile mais maintenant je peux déplacer ça mais il faut cliquer sur le layer ok image là m'a déplacé me cliquer sur layer là et puis m'a déplacé le mettre exactement côté que je voulais maintenant moi capable changer background là ok alors encore couleur et c'est là capable mettre le blanc ok maintenant les mettre le blanc après que nous paraît presque différence. Donc, comme bagay que vous toujours qu'on fait, le fait forme ça, ok? Le créer clip et mask, non forme, le plus souvent, yo qu'on mette, yo contour. Donc, basi tout le temps, ou même, ça va aller de qui disent avant qui ça va faire, donc, on capable pas mettre contour. Maintenant, on pas mettre un contour sous forme, non. Maintenant, on clique sur les formes, non. Et ensuite, on peut aller dans FX, qui c'est effet, m'a cliquer sur stroke, ou encore, donc, contour, ou encore périmètre. Donc automatiquement que me fait ça n'après pourquoi gagne contour c'est parce que couleur contour dans c'est blanc que lié et toute surface moi en blanc donc on pas capable voir contour là m'a changer le couleur m'a balé par exemple rouge moi cliquer ici sur rouge là et ensuite moi cliquer sur OK moi capable agrandir épaisseur autour ici dans stroke on capable agrandir épaisseur non ça dépend de vous même qui j'ai voulu faire ça donc toutefois nous on ouais style ça yo. Donc c'est ça que nous t'ai voulu montrer comment qu'on capable bien arranger ça et encore faire une image paraître et on commet une image à l'intérieur de yon forme normalement donc nous capable faire ça tout pour une autre forme par exemple m'a retiré forme ça m'a retiré dans clipping mask là OK m'a fait release clipping mask par exemple si moi j'ai retiré image moi dans forme là fait release clipping mask donc n'a pas forme moi donc image moi sorti dans forme maintenant moi pas créer une autre forme m'a désactiver forme moi moi pas créer une autre forme maintenant moi pas aller dans outil là et ensuite m'a cliqué sur la forme moi besoin un triangle cette fois-ci me cliquer sur polygonal polygon tool maintenant c'est un triangle besoin ici hein dans side côté m'a cliquer va faire 3 parce que on triangle a 3 côtés
Et puis, moi, c'est un tiers. Maintenant, moi, je vais normalement tracer triangle. OK? Ici, hein? Donc, ça dépend de vous-même. Si vous voulez les droite, ça c'est vous-même. Ça dépend de qui ça qui va faire normalement. Ça c'est triangle. Hein? OK? Moi, je vais normalement changer le couleur, par exemple, pour nous capables de triangle tracé. OK? C'est ça qui fait changer le couleur. Là. Mais moi, je vais changer le couleur blanc encore après. OK? Par exemple, moi, je mettais ça là comme ça. Et puis, je vais agrandir, forme moyen, plus ou moins. Par exemple, ici, je vais agrandir et je vais insérer l'image en dedans. Donc, déjà, l'image au-dessus de l'IF forme, je suis capable d'aller ici, hein, sous l'image, je fais clic droit, ensuite, je clique sur Create Clipping Mask et automatiquement, l'image est insérée au-dedans de forme. Après, si je me déplace ici, vous voyez, après, c'est en dedans de forme seulement qu'elle était. D'accord? Ou à l'autre côté que je vais mettre là, donc la prêter à l'intérieur du forme là, donc il pas dépasser forme là, ok? Donc c'est exactement ça que nous devons montrer dans petit tutoriel ça aujourd'hui là. Et pas oublier, si c'est la première fois que vous êtes sur channel là, donc cliquez sur le bouton abonner, ensuite activez la cloche de notification. Hein? Et si vous avez une idée, ou aimez ça que nous avons fait en tant que professionnel, donc cliquez sur le bouton like là pour vidéo ça. N'après quoi, dire l'autre fois. Et c'était un plaisir pour nous être ensemble avec nous. Pas oublier, non pas me c'est Jean-Kerbiteus, c'était Chipstick. Bye.